salut, c'est Dimanche. Et d'abord, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Facebook, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, tout ça, à partager, à liker les Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, merci. Calme-toi. Mais bon, on va quand même pas se reposer sur nos lauriers parce que l'heure est grave. Cette semaine, on a quand même appris que. Angelina voulait quitter Brad. Ne me quitte pas. Il faut oublier. Lame de fin. Non! Si, le choc! Ça a eu l'effet d'une bombe. On remballe, les gars! On a tout fait forest, espèce d'icounas! Et j'allais faire le buzz! Tout le monde en parlait partout, dans la presse, la radio, la télé, dans la rue. Salut, femme! Ça va? Mais non, ça va pas. Tu vas larguer la veille de la journée de la paix. Bonjour, le bad trip pour Brad Pitt. Parce qu'il y a des gens qui ont très, mais alors très, très mal vécu la nouvelle! Qu'est-ce que je vais faire, moi? S'ils revendent pas le château de Miraval qu'ils ont acheté dans le Var? Je vous sers quelque chose? Tu vois pas que c'est pas le moment? Parce que ça a forcément soulevé des questions. Admettons qu'elle revend des châteaux. Et quel Brad Pitt. Bradé. Bradé. Ah. Et puis les enfants, qu'est-ce qu'on va en faire, les enfants? On va pas les ramener. Maddox, Paxou, allez, on m'en ramène. Oh bah allez-y, on n'en veut plus, on vous les rend, allez. Vous avez de la chance, ils sont propres. S'il vous plaît, la petite Zara, évitez de la faire manger avec les doigts. C'est avec la vie qui les attendait. Alors que si on les ramène en Asie, Pax et Maddox ont pratiquement l'âge de travailler. Merde. Et il y a aussi des gens pour qui c'était une bonne, une excellente nouvelle. Excellent, ça veut dire que Brad est sur le marché. Non mais laisse tomber, c'est mort. Quoi, c'est mort? Parce que je suis homo et hétéro. Ça veut rien dire, je suis tapé un rappeur. Booba. Bah non, non mais c'est pas pour ça. Bah pourquoi alors, je suis moche? Bah, non mais c'est pas ça, c'est parce que tu le connais pas. Ouais, c'est vrai. Moi c'est pareil, maintenant qu'Angelina est sur le marché, t'inquiète, je vais me la faire. Bah non, c'est mort. Bah pourquoi? Parce que je la connais pas. Bah non, parce que t'es moche. Hein? La team Jennifer, par exemple, bah eux, ils étaient trop heureux. Ah non, mais moi, je lui ai dit, hein. Ah, mais je suis trop, 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 quoi. Trop content pour elle. Hashtag justice pour Jennifer, tu vois. Ah bah ouais, parce que là, y a pas de secret. Ah, parce qu'à ce niveau-là, on est tous les mêmes. Même si t'as plus de sentiments pour la personne, t'as toujours en toi cette philosophie. Mais j'espère que la retourne va... La vie tourner. Et puis il y a le dernier clan, la dernière catégorie. Celle des gens comme moi, mais alors qu'ils n'en ont rien à foutre. Qui se servent de l'info pour faire des blagues pourries, pour buzzer, au profit de la véritable actualité. Bah ouais, parce que qui se sépare ou pas, vous allez tous vous lever demain pour aller bosser. Après, moi je dis ça, je dis rien. Bah, ferme ta gueule alors. Pour retrouver les Je dis ça, je dis rien de Romain Henry, abonne-toi.